Salut tout le monde, c'est InsideTV, j'espère que vous allez bien, moi ça va, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, Battle de claques dans la gueule. Alors c'est un sport qui a été inventé en 2015 à peu près, si on peut appeler ça un sport. En tout cas le but du jeu c'est de se mettre KO avec une simple claque. Alors ils devront se mettre une claque chacun son tour, et dès qu'un des adversaires tombe KO ou ne peut plus supporter la douleur de la claque, il abandonne et l'autre est gagnant. Donc voilà, les règles sont simples et là on va voir justement un tournoi ensemble dans cette vidéo de Battle des claques dans la gueule. Alors c'est parti, let's go. Et voilà, on se retrouve dans le tournoi. Exactement là. Alors là, c'est la demi-finale. On est déjà à la demi-finale. Comme ça, ça va plus vite. Alors on aura deux demi-finales. Et la finale. DJ Chris versus KC. Alors comme je vous ai dit en début de vidéo, les règles sont simples, une claque chacun, là ils font fait qu'elles bouger pour voir qui va commencer. DJ Chris qui a fait le ciseau et l'autre, je sais plus son nom, qui a fait la feuille. Donc voilà. Donc c'est le Blackos qui a gagné, donc c'est à lui de commencer à frapper. Il est premier à pouvoir frapper, donc là s'il met KO son adversaire direct, ben il remporte le match, ou s'il lui faut une claque tellement fort que l'autre souffre et qu'il abandonne, ben c'est lui qui gagne. Donc voilà, les règles sont simples. On y va, on se prépare pour la première claque de DJ Chris. Attention, ça va faire mal. Il vise bien là, bien frappé. Ouf. Alors celui-là, il s'est même niqué la main apparemment. Ouais, celui-là, il fait vraiment mal. Hein. Non mais sérieux, c'est vraiment des gros malades. DJ Chris qui sourit. Alors là, en tout cas moi j'aimerais pas commencer hein, parce que si tu commences, tu chauffes le mec là, alors lui la claque qu'il va te mettre, c'est encore pire que celle que tu lui as mis quoi. Si t'es premier c'est pire je trouve, si tu mets de deuxième comme ça, il te met une bonne claque, t'es chaud là, pour lui envoyer une grosse tarte. Là c'est à lui. Il vise bien. Ouh. Il en veut, DJ Chris. DJ Chris qui en veut, il tape sur la table carrément, non mais sérieux. Je vous aurais bien traduit ça, mais j'ai pas bien entendu. Donc, sorry. Et voilà, il déclare forfait. Il voulait pas une deuxième claque de DJ Chris. Et voilà, DJ Chris qui remporte cette demi-finale. Donc, il est directement en finale. Abusé quoi, avec seulement une claque, le Blackos, il va directement en finale. Car l'autre il voulait pas poursuivre pour se ramasser une deuxième tarte, tellement il avait mal, il souffrait. Et voici la deuxième demi-finale. Un des deux hommes là que vous voyez va se retrouver en finale contre DJ Chris. Fekezo Bougie, alors l'autre, je sais pas son nom à gauche, on va l'appeler Umaga de Salmon Bulldozer. Qui a perdu le Fekezo Bougie, donc c'est l'homme à la casquette de commencer. Avec une bonne grosse tarte à la mexicaine. Il a raté sa proie. Il vient de viser le coup. C'est pour ça que c'est mieux de viser au début. Là, il s'en veut. Alors, on ne sait pas s'ils vont l'accepter. Apparemment, il a le droit de recommencer. Mais s'il recommence, l'autre, il aura droit à deux claques. C'est ce qu'il vient de lui dire, je crois. Ah non, il a le droit de faire deux claques parce que justement, il l'a tapé au cou alors qu'on n'a pas le droit. On va voir si j'ai bien compris. C'est une claque ça ou c'est une massue là? Il lui a déchiré la gueule quoi. En plus dans la tempe là, je suis sûr il entend. Non mais sérieux. Abusé. Il a vraiment défoncé l'oreille là. Une deuxième. Ah ouais justement il a droit à deux claques. Deux claques. Même la casquette elle a dévié quoi. Non mais sérieux. Il fait ça va mec. Ouais ça va je continue. Hein. Tout se passe bien. Hein. Là il voit des étoiles partout je suis sûr. Ah là il est dead franchement. C'est un bulldozer le mec en face. Ouh, il a même pas bougé quoi. Il y a juste une mèche qui est partie c'est tout. Il a rien senti. The bulldozer. À son tour.
my god! KO quoi, KO! Avec une claque! Non mais sérieux, il faut qu'il s'inscrive à la boxe lui! KO avec une claque, il a mis le mec KO avec une claque! Et voilà, il vient de remporter par KO le vainqueur, The Bulldozer. On va l'appeler comme ça parce que je sais toujours pas son nom. Donc. The Bulldozer. Ouais. Ouais, c'est bien lui qui a gagné. Obligé, ouais. On voit bien le KO, quoi. Avec une seule claque, il l'a défoncé, là. Bon, en même temps, c'était la troisième claque qu'il prenait. Donc, avec une telle force en plus, donc. Tu m'étonnes. Qu'il est KO. Ah, il vient de reprendre ses esprits, pardon. Le public qui l'encourage. Alors, il est aidé par ses collègues pour sortir. Tellement le mec il est KO avec une claque. Non mais sérieux, quoi, abusé. Quoi. Et voilà, The Salmon Bulldozer lui-même qui est choqué de ce KO. Avec une seule claque. Et vous avez vu Ligue de Nier. Parce qu'apparemment il disait que c'était simple, je sais pas quoi. Et le gagnant remporte 1000$, si j'ai bien compris. Vous pouvez me dire dans les commentaires. Ce qui est quand même énorme pour les États-Unis. 1000$, comme ça, juste avec des battles de claques. Maintenant, la grande finale à DJ Chris. Et The Bulldozer. Oh my god. Alors on voit ces potos qui se moquent. Ils disent putain, il va créer une autre pote. Hein. Le Blackos, bien sûr. Alors là, lui, il va souffrir. Hein. Parce que The Bulldozer, comme étape, c'est que Zobuji. Et The Bulldozer qui a fait la feuille. Et DJ Chris qui a fait le ciseau. Il remporte. Donc c'est à lui de commencer. Mais comme je vous ai dit, commencer en premier, c'est pas vraiment l'avantage, quoi. Car ça chauffe l'autre. Donc. Il risque de taper encore plus fort. Ouh, là, je crois qu'il s'est cassé les os de la main. Hein. Je crois, parce que là, la tête de Bulldozer, elle a même pas bougé, quoi. Abusé, quoi. Là, il fait, ouais, j'entends plus rien de travail, hein. Tu me l'as niqué. Il fait, ouais, désolé, je voulais pas te niquer. Ouais, pas de soucis. Apparemment, ils s'entendent très bien. Malgré la claque. Et là, il dit no, parce qu'il a pas envie de... Ce soir, cette claque qui va peut-être le mettre KO. Il prend carrément la casquette là, pour se protéger un peu peut-être. Porter bonheur, on sait jamais. Il a dit se prenez en photo parce que peut-être je serai KO donc... Prenez tous en photo. Sortez vos appareils. DJ Chris va souffrir. The Bulldozer qui prépare sa belle claque là. Ouh. Alors, on a dû le retenir un peu. C'est un mâchoire qui se remet en place. Il vient de perdre 3 dents. Non mais sérieux. Alors j'espère que ça vous fait plaisir de découvrir ce concours de claques avec moi, Inside TV. Donc voilà, vous pourrez voir plein de vidéos de ce genre sur la chaîne si vous vous abonnez. Là, il sait pas, il hésite, il sait pas s'il continue. Il a vraiment mal à la mâchoire. The Bulldozer qui dit abandonne, mec. Je te dirais d'abandonner, sinon tu vas finir KO. Là, TJ Chris qui ne sait pas quoi faire. Va-t-il abandonner ou va-t-il continuer? Nous le saurons tout de suite dans un instant, juste après la pub. Non, je rigole, il n'y a pas de pub sur YouTube. Alors là, il vise bien la face. Alors celle-là, elle a vraiment claqué, elle l'a défoncé le regardé. Il dit qu'il n'entend rien quoi, il s'est en train de sonner là dans sa tête. Il l'a déchiré la gueule là. Alors là, mon vieux, il va s'en prendre une bonne. Hein. Là, il l'a vraiment chauffé de Bulldozer.
Là, elle lui dit, soit t'abandonnes, soit tu te laisses défoncer la gueule une fois de plus, encore avec une claque. Que va-t-il faire? Que fait-il? Il continue, c'est un malade, il continue, il veut s'en prendre la deuxième claque, il veut se prendre la deuxième claque. Mais là, ça va être du lourd. Il vise bien, il va essayer avec l'autre main. Bouge pas la table, il dit. Alors là, bonne chance pour continuer. Il sent plus sa tête, il sent plus rien là. Il vient de perdre toute sa mâchoire en entier. Que va-t-il faire? Va-t-il continuer ou abandonner? Que fait-il? Il tape, il abandonne. Et voilà, le vainqueur. De nouveau, par abandon. Bon, avant c'était par KO et par abandon de Samoan Bulldozer. Que du muscle. Eh oui, je vous avais dit que du muscle. Ah, il fait des petites pauses là, magnifique. Double biceps. Un petit check. C'est la fin de cette vidéo, si t'as kiffé, tu peux laisser un gros pouce bleu, tu peux également me suivre sur Facebook, le lien sera dans la description. Laisse également un commentaire pour me dire quel genre de vidéo t'aimerais voir sur ma chaîne YouTube. Ah oui, et oublie pas de t'abonner, c'est toujours gratuit, encore, eh oui. Quant à moi, je te dis à une prochaine, c'était Inside TV.